Et salut tout le monde, c'est Ochrome incroyable. Et aujourd'hui nous sommes dans le premier épisode du Let's Play Mario et Luigi Barkers in Time. Bon, en français c'est les frères du temps, mais j'ai pas trouvé de jeu de mots en français. Du coup en anglais, à la place de Partners in Time, ça fait Barkers in Time. Parce que c'est marrant, Bark, et surtout ce jeu en abrégé ça fait Mario and Luigi Pete. Puisque partner in time. Et du coup là, puisque ça fait Barkers in time, ça fait beat. Et du coup c'est très marrant, on lance la game. Alors. Et aussi vous pouvez voir autour de moi mon... Oh merde. Il y a très très longtemps. Très longtemps. À des années-lumière du royaume champignon. Dans un lieu sombre, froid et fui par la lumière des étoiles. Il y avait cette ténébreuse planète isolée. Et du coup, j'ai fait un petit overlay plutôt sympa, que je suis très fier, que j'ai fait en 5 minutes, lol. Et j'ai réussi à intégrer les deux écrans de la DS, c'était assez compliqué à faire, mais j'ai enfin réussi à le faire, mais c'est cool. Les habitants de ce monde étaient sinistres, ils passaient leur temps à observer l'espace. Avec la petite... aussi, je sais pas si vous avez vu, mais dans mon dernier épisode de Mario Luigi, Superstar Saga, Superstar Niba, il y a un petit reveal du trailer, de la suite de la série. Du coup, j'étais très content de l'avoir fait en environ une heure, c'est faux. N'hésitez pas à aller rechecker ça. S'agitait-il juste de sinistres rêveurs? Non. Il cherchait une autre terre. Ça me fume quand ce jeu est... Ils finiraient par jeter leur sinistre dévolu sur une havre de paix et de beauté. Ça me fume quand ce jeu est tellement plus sinistre que l'autre qui était tout content tout jeu. Et qu'on n'a pas eu en remake, j'espère qu'il arrivera même si Alpha Dream a craché. Oh, le rire d'Exampi. Château de Peach, dans le passé. Dans le passé. Référence venante. Ho ho. Ah non, ho ho, mes jeunes maîtres, Mario et Luigi. J'attendais votre arrivée avec beaucoup d'impatience. Oh yeah, wouh! Oui, la princesse sert des camarades de jeu, elle est un peu énervée. Appuyez sur O pour regarder la pièce où elle attend. Fais vite. Je vais monter un peu le son. Oui, du coup, je disais... c'est bon, on est dans le passé. Et là, comme vous voyez, on saute avec X et Y. What the fuck, les amis? Ok, ça a pas l'air de trop laguer. J'espère que la vidéo rendra bien. Let's go, du coup, on est dans le petit passé, dans le petit château, calme. En plus, vous le savez peut-être pas, mais c'est mon premier Mario Luigi. Celui qui m'a fait découvrir l'existence quand j'étais petit. En plus, j'avais une R4 un peu craquée, un peu dégueulasse. Que j'ai, bien sûr, j'ai racheté le jeu plus tard. Et le jeu était en anglais. Du coup, j'ai un peu le seum. Bon, maintenant, je pourrais le faire en anglais facilement, mais quand t'as 4 ans, 4-5 ans, c'est compliqué. Ouais, j'étais très vite introduit au gaming. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout cela? Et où est la princesse? Moi le prince Bowser, j'emmène la princesse Peach avec moi. Et vous les deux bébés, vous ne m'en empêcherez pas. C'est vraiment n'importe quoi. Vous n'irez nulle part, en garde. Même s'il est énervé, je lui ferai tout le temps une voix insupportablement bourge. Ça va être incroyable. Mais quel nominee. Attention aux polissons, en couche-culotte. Ça me fume, dans ce tuto, on a les tutos des petits bébés à la place des grands Mario. Oh là là. Oh, le jeu est tellement plus agréable à jouer que le premier. Dans Superstar Saga, c'est une plaie. C'est une plaie, vraiment, sur les timings. J'aime mettre Mario. Ta gueule. Non, non. Non. Non, ta gueule. Tais-toi. Oui, c'est moi le maître. C'est moi le maître. Bonsoir. Oh non! Je l'adore, il est trop bien, bébé Bowser. Ah, aussi, c'est pas Bowser Junior, hein, c'est bébé Bowser. Vraiment Bowser quand il était enfant, tu vois, le gros Bowser quand il est enfant. Pas son gosse Bowser Junior qui a été fait avec Peach, mais en fait, on sait pas. C'est une théorie qui vient de Mario Sunshine. Bon. Zut, j'allais oublier. Vous pouvez aussi skier, je sais, ta gueule. Et on peut pas mourir sur ce combat, de souvenir. Genre, même si tu prends toutes les boules de feu et que tu fais. Rien dès que t'attaques, tu vas quand même le finir avant qu'il te tue, je crois. De souvenage. Oui. Ah. Casse. On vient de casser Bowser, chaud noir.
Je suis un prince. Je peux pas plaire, c'est trop injuste. Oh, regardez, il y a encore les effets multicolores comme s'il y avait dans le dernier let's play. Hein, what the fuck. Oula. Mais pitié. Arrêtez cela. Voilà. Alors, ah oui, la dernière fois, c'était juste Végésia qui empoisonnait la princesse, juste qui lui faisait perdre sa voix. Maintenant, on va se faire détruire la planète par des aliens. C'est bon. Eh oui. Ah. Putain, en vrai, oui, c'était... Mais en vrai, c'était ultra violent, le jeu. Comment j'ai pas eu peur quand j'étais petit? Je crois que j'avais peur de la grande princesse d'Empi. Je sais plus. Oh, il y a des couleurs maintenant. Enfin, des couleurs plus jolies, plus le filtre sépia. Chut. Royaume Champignon présent. Flash d'information du Royaume Champignon. Le professeur Catastrophletsuko a terminé sa machine spatio-temporelle. La source d'alimentation de la machine, cette magnifique étoile cobalt. Nous déclarons la guerre envers Paradis... Non, merde, hors sujet. L'inauguration a eu lieu au château. Des personnalités du monde entier y ont assisté. J'ai du mal. La princesse Peach a accueilli cette invention avec euphorie. Mauvaise idée de retourner dans le temps avec un prototype expérimental. Elle est ici euphorique qu'elle a soudain décidé de se rendre au Royaume Champignon d'antan. Mauvaise idée. Son fidèle... Sachant que ce jeu, logiquement, il devrait être bourré de paradoxes temporels ou de timeline, mais... T'inquiète, ça marche bien, on est dans un Mario. Son fidèle intendant, Papy Champi, est très inquiet. Détail à 11h. Dans le passé. Princesse, je vous en supplie, revenez votre Altesse. Je suis si inquiet. Alors, elle est juste avec des extraterrestres. Hé hé, yabou yabou. Et j'ai... Taka taka, yabou débat. Ah maintenant, il a une grosse voix. Avant, de souvenir, il avait une petite voix, genre en gros... Quand je dis sa voix, c'est quand un caractère apparaît, le son de... Le bruit qu'il fait, c'est aigu ou pas. Il y a une certaine crainte à avoir, ma machine... Non, il n'y a aucune crainte à avoir. Non, ma machine est un peu plus fiable. Faut que je me réhabitue. Il y a 99,999999999% de chance que la princesse revienne. Quelle horreur. Il a Poggers. Il est mort. Papy Champi, réveillez-vous. Papy Champi. Il se faisait tant de mauvais sang qu'il s'est évanoui. Mario, Papy Champi garde toujours un champicure dans sa chambre. Tu peux aller le voir. Oh. Voici un plan du château de Peach. Waouh. Oh là là, cet écran me fait tant de souvenirs. C'est ici que se trouve en ce moment Mario. Ah oui, c'est vrai que dans... Et le champicure est dans la chambre de Papy Champi. Oh, au fait, cette icône vous indique la position actuelle de Mario. L'icône ne bouge pas si vous vous déplacez à l'intérieur d'une salle, mais si vous entrez aussi dans une salle, l'icône ira aussi dans la nouvelle salle. Hein ? Par contre, du coup, si vous perdez la trace de Mario ou vous ne savez pas où vous êtes, regardez en haut pour retrouver ce que vous cherchez. Alors, très bien Mario, nous comptons sur toi. Le champicure est dans un bloc, je sais pas, Champi, tu ne peux pas le manquer. Pour le sortir du bloc, passe en dessous et saute pour le toucher. Ok ? Où en es-tu dans la pratique du saut? T'inquiète, bro. T'inquiète. Par contre, du coup, là, vous... Ah oui, merde. Hein. L'écran d'en bas, c'est le moins intéressant. Bah, attendez. Hop. Et bam. Et là, normalement... Ah ouais, du coup, là, ça fait assez bizarre. Ah oui, c'est vrai que dans ce jeu, l'écran principal, c'était celui du bas. Parce que celui du haut, il y avait là... C'est complètement con, mais bon. Ah oui, là, il y a les blocs pour se soigner. Bien, halas. J'ai bien été soigné. On va explorer tout ça après le trauma qu'on a vécu dans le royaume de Végésia. Il y a quoi à droite? Non, on va pas vite, j'ai l'impression. Et la marche de Mario est bizarre. Ok, il y a une boutique, on peut rien acheter. La boutique qui sera 6 fois plus importante que dans les jeux, que dans le dernier jeu et que dans les prochains jeux. Attendez, on va aller dans le jardin. Le jardin qui est bizarrement quadrillé. Wouh! Ok, nice. Ah, j'aime bien cette partie du château, je la trouve trop cool. Je sais pas pourquoi. L'action de base, mais que vous ne... Ok, bon, bah les couilles. J'adore, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que genre c'est un peu la Mario 64. En gros, on va rester dans le château, dans le présent, et on va aller dans le passé à travers des portails. Et oh, ça c'est la chambre de Mario et Luigi. Il n'y a plus le poster. Je ne ferai plus la blague. Je ne ferai plus cette blague.
Mais j'aime bien, genre, quand on explore pas le monde et qu'à l'inverse, on a une espèce de base, là où on se rend quelque part des fois, et là on y retourne à chaque fois, je sais pas comment dire, j'aime bien. Tu vois, on l'explore cette base et qu'on la découvre, et c'est incroyable. Comme le château dans Mario 64, là où on découvre... Ok, bah il a ses petites plantations de verdure de shit, de shit. De drogue, c'est bon ? C'est bon. Hop. Et voici une condensation de cette drogue, évidemment. Hop là. Les petits pots et les petites tasses pour boire le Poggers et toutes les bouteilles de Poggers. Ok, let's go. Après avoir coupé tout cela. Putain, la gueule de Luigi dans ce jeu, vraiment. Papy Champi, un dernier mot. Est-ce que je peux avoir votre canne? Princesse. Docteur, dites-nous la vérité. Est-ce que Papy Champi va guérir? Son état n'est pas très réjouissant, hein. Je crains que notre cher Papy Champi ne soit en état de champi-choc. Sans les propriétés créatives d'un champi-cure, nous ne pouvons rien faire. Papy Champi ! Wouah ! Attends, et bien évidemment, on va l'étaler sur son corps à la place de lui faire manger. Oh, let's go ! Wouah ! Je suis super Papy Champi. Non, cyber Papy Champi. Oula. Trop de spectacle. Médaille. What the fuck? Mais what the fuck les amis? Mais what the fuck? Et regardez-moi ça, la machine est de retour. Mais what? Mais il y a quelque chose d'étrange. Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh, votre Altesse, bienvenue à la maison. Votre Altesse, j'étais si inquiet. Oh hey. Attendez, maître Luigi. Bang. On va te casser la gueule, on va te casser la gueule, on va te casser la gueule. Okie dokie. Ah bah non, y avait pas Luigi. Ok. Par contre... J'avais pensé mais sur le combat de tout à l'heure, parce que là du coup l'écran du haut est sur le truc de l'écran du bas puisque ce jeu est chelou. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas débattu parce que normalement l'écran que vous voyez qui est juste là. Non je veux pas faire les commandes. Et ben normalement vous le voyez en haut. Parce que, mais ça serait moche tu vois que toute l'action se passe sur le petit écran dégueulasse donc bon. Mais je me souviens pas que le jeu était comme ça. Zut, j'allais oublier. Vous pouvez aussi esquiver les attaques de vos ennemis. Non! Tais-toi! Non! Tais-toi! Laisse-moi tranquille. Regarde, je le contre-attaque très bien, tu le vois, je suis le meilleur. J'ai même pas regardé, c'était qui? J'étais qui? Jeune Exampi. Eh ben il est jeune, on va lui casser la gueule. Mario niveau 1? Mario niveau 2, évidemment. Et maintenant, on l'a dit, on met tout dans la moustache défaut dans l'attaque. Ah oui, dans le jeu on peut timer. Alors que dans Superstar Saga, Superstar Aniba, quand on clique, ça roll encore et après ça se met. Là genre dès que tu cliques, ça se cale dessus donc. Aucune trace de la princesse, non! Ce monstre est horrible! Du calme. De toute évidence, elle ne peut pas lui servir le petit déjeuner. Mon ADRDS m'indique. Ah, c'est plus un radar Game Boy Aurore. M'indique que la princesse était quelque part dans le royaume d'Antin. Radar DS, vous nous racontez des histoires. D'où venait ce monstre alors? Je n'ignore, étant donné que l'état de la machine... Étant donné l'état de la machine, nous n'irons nulle part. Comment, calme-toi et articule, un trou mystérieux est paru dans le jardin. Peut-être que le retour de la machine a causé des turbulences dans le temps. Au jardin, mes amis. Hop, on va jouer Echo. Hop, il marche. Eh oui. Ok. Ah, Luigi, est-ce que au jardin tu ne veux pas rester? Non, bah non. Bah non, Luigi il veut pas rester avec l'alien parce que c'est une petite lopette. Une petite lopette en salopette. Ah putain, je peux pas le marteler, quel malheur. Ok. Bon bah du coup on va aller se rendre tranquillement vers le professeur K dans ce trophée. Du coup dites-moi si vous aimez bien la
proportion des écrans. Par contre, la disposition des écrans, par contre, j'ai pas checké la proportion des écrans, du coup, ils sont un peu tordus. Hein. J'avais la peine de corriger, alors. C'est bien ce que je pensais. C'est une faille spatio-temporelle. Cette faille est une porte... Ah non, pardon. Qui mène dans le passé. Elle s'est un jour qu'un adulte apparu à cause de ma machine. Yabba yabba. Mauvaise idée. Soyez prudent, jeune homme. Oui, un jeune royaume champignon. Ah, ça retourne dans le passé. Mais la question est... Où dans le royaume champignon? L'autre question est, si quelqu'un saute dedans, est-ce qu'on pourrait y revenir? Hein? Utilisez la faille spatio temporelle pour sauver la princesse. Oh yeah. Oui, c'est une bonne idée. Et puis, ce n'est pas comme si nous avions l'embarras du choix. Maître Mario! Oh le fils de... C'est con, t'as trébuché, maintenant t'es distordu à travers l'espace et le temps. Mais Maître Mario, la princesse, où est la princesse Peach? Et quelle est cette lumière? Quelle est ce trou étrange? J'existe, je pense, monsieur. On retourne dans le passé, c'est parti. Et c'est parti. Maître Mario. On surfe sur la vague du temps, mon pote. La bobine rembobine. Village Hori Jori, royaume champignon dans le passé, let's go! Ça met beaucoup trop de hype ce moment, je suis tout seul. D'accord, c'est vrai. Je suis gênant, c'est vrai. Ouais, du coup là vous avez la carte sur l'écran du bas. Mais non, mais c'est pas vrai ça. Hein. En plus il y a Luigi au-dessus de ma... en dessous de ma caméra, c'est incroyable. Mais. Oh, je vais en faire une voix insupportable. Attention à mon cuir, professeur, ne poussez pas comme ça. Oh, vous devez être Mario. Mais, après professeur, il devrait y avoir un certain Luigi avec vous, mais... Toutes mes condoléances. Oh, vous êtes Luigi, je... Toutes mes condoléances. Enchanté de vous rencontrer. Je m'appelle Fourtou. J'avais oublié ce nom. Parce que je sais plus. Dans mes souvenirs, elle s'appelait pas comme ça, cette putain de valise. Elle s'appelle Fourtout. On peut y fourrer. Continuons le texte. C'est le professeur une catastrophe qui m'a inventé. Je suis une sorte de valise. Le professeur m'a envoyé dans le passé pour vous assister. En vrai, j'aurais dû lui faire une voix de gamine insupportable. Mais ça sera pour le prochain jeu. Oui, assistant est le terme qui convient, mais je ne sers pas seulement à ranger. Je suis doté de nombreux capteurs complexes, ainsi que de systèmes d'enregistrement variés et... Bref, vous avez compris que je suis une merveille technologie fort utile. Et si nous faisons plus ample connaissance, allez, ouvrez-moi Fourtout. Let's go. Oh la valise, encore une valise. Ce sera le dernier jeu où on aura une valise malheureusement. J'adore l'interface de valise, je trouve ça trop magnifique. Ah oui, notez que je peux contenir toutes sortes de trucs et de gadgets. Champi, il va sans dire que je peux toquer tous vos objets. Je peux aussi transporter de riches équipements variés. Et vous assurez que vous êtes dans une forme olympique, consultez vos statistiques ici. Bah là c'est un peu nos passeports, t'as vu. Par contre j'aime bien l'idée de passeport, ils l'ont enlevé, ça c'est dommage. Pourriez-vous jeter un œil à l'écran supérieur? L'écran supérieur, ouais, bah là c'est l'écran tout du coup. C'est le temps qui s'est écoulé depuis le début de votre quête palpitant et périlleux. Le nombre qui est juste ici, c'est l'argent que vous avez sur vous. Regardez maintenant par ici pour consulter le détail de vos statistiques. La détail, frère. Eh bien, je crois que je vous ai tout dit sur moi. Je suis impatient de travailler avec vous, évidemment. Appuyez sur B pour me miniaturiser et me ranger. Ta gueule! Retour à l'action! Nani? Voilà, on aurait pas dû. On n'aurait pas dû parler avec cette connasse de valise! Voilà. Ouais! La musique!
Ouais, du coup, c'est un écran fixe, le fond. J'aime moins parce que, du coup, le fond, on a vraiment l'impression que c'est collé à l'écran, tu vois, que c'est pas un vrai truc... un vrai fond, quoi, comme dans Mario Superstar Niba, là, où il y avait un petit décalage. Ok, mais c'est tout joli. On va juste sauvegarder ici. C'est quoi, je vais voir. Par contre, du coup, là, le menu, elle, sur le bouton Start, est plus Select, et ça me casse un peu moins les couilles. Je vais vous montrer le menu de sauvegarde une fois, tu vois, je vais sauvegarder avec vous. Voilà, c'est le menu de jeu. Ah oui, il y a des photos, c'est vrai. Mario et Luigi ont suivi la presse. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est vrai qu'il y a des photos. C'est trop cool. On va continuer un peu quand même. On ne s'arrête pas en si bon chemin. Ouais, on est dans le passé. Mario. Attention, s'il vous plaît. Si vous voulez, j'aimerais bien procéder des instructions de base. Comme vous le savez, l'action principale des bipèdes est le saut. Non, c'est pas vrai. Si vous sautez au moment, vous pouvez vous frayer un chemin ensemble. Ah oui, les tutos qui étaient trop stylés. Oh, mais on va commencer par sauter avec... Ah, faudrait que j'élargisse l'écran du bas et réduise l'écran du haut. Ensuite, Luigi... Oh. C'est vrai que les tutos étaient vachement détaillés. Vas-y que je regarde sur l'écran, parce que ça me... Putain, mais les tutos étaient vachement beaucoup trop détaillés. Oui, je sais sauter. Genre, il y avait des images pour... Voilà. Putain, par contre, j'ai l'impression que nos sauts sont énormes. Ça, dans le dernier jeu, fallait utiliser l'action spéciale, alors que là, on peut direct le sauter. Et bien, c'est parfait. Oh non! Mario, Luigi, vous voyez les gouffres qui parsèment votre route? Allez! C'est long! Vous pouvez les sauter. Oh, c'est bon, on a compris! Ah oui, c'est vrai qu'il nous demande de sauter en même temps. Moi, je sais pas, je trouve ça pas ça naturel de faire 1. Je sais pas, je trouve ça nul. Moi, je préfère faire 1, 1, 1, 1, 1, 1. Donc, est-ce que vous êtes 1 ou 1, 1 ? Bah, dites-le moi en commentaire. À cet endroit grouille de blocs rouges et verts, selon mes bases de données. Oui, non mais... C'est vrai, ça, il y a des blocs rouges et verts, quoi. Il faut s'habiller en rouge et vert dans ce royaume, sinon ça marche pas. Ah mais... Waouh, ça a activé le chemin, mais quel incroyable dé! Oui, on a compris. Ferme-la. Fourre-tout, ferme-la. Ta gueule. Village Holy Jolly. Mori, 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 mori. Oh, mais tiens, mais à quoi peut servir cette plaine complètement inutile et vide? Non pas créer une cinématique et implémenter du scénario. Oh, merde, je vous ai spoilé. Ha 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 ha. Le village. Oh, mais... Oh, une invasion nazie... alien. Attention sur l'écran du bas, qui est en fait le haut, mais que vous voyez en bas. Oh non, ils attaquent le village. Oh bro, réveille-toi, Ezeb. Le village des champignons, violet, humide et froid. Allez Luigi, il faut y aller! Ah ah! Là, ils sont en train de siper son Poggers. Du coup, déjà, le gars est dans la sauce. Voilà. Oh, c'est vrai qu'ici, c'est tout joli! Waouh, mais c'est vraiment magnifique! Mario! Je sais bien que le temps presse, mais qui sait quel danger nous attendent. Il serait plus prudent de nous préparer avant d'avancer. Oh, regardez, l'occasion parfaite pour vous de vous entraîner. Mario, sautez sur cette chose bulbeuse. Merci. Waouh, excellent travail. Allez, allez. Oh, un gros plateau, oui. Je me souviens qu'on apprenait une certaine... technique avant d'arriver au village, mais bon. Oh, pas grave. Ok. Je me souviens qu'on apprenait... Oh la carapace. Oh joli, je l'ai dit. Parce que dans le jeu, en gros, les attaques spéciales, c'est un truc spécial, tu vois. Ok, bon, bah normal, ils sont en train de... Ils sont en train de siper les habitants pour aucune raison, hein, vraiment. Je vois pas pourquoi, genre, ils sont chiés, genre, au pire, implanter un virus, quoi. N'importe quoi. Alors. Pam pam pam.
Pam pam. Cette musique est beaucoup trop grave. Non mais ça m'a toujours fumé, genre. On passe de Mario Luigi Superstar Saga, le jeu, l'un des jeux les plus drôles et heureux du monde, et super au centre de Bowser, sauf à la fin, et Dream Team Bros, pareil, sont heureux. Partners in Time, c'est H24, la dépression dans ce village. Tout le monde a envie de crever. Ok, y'a rien ici, d'accord. Maison du maire de Holy Jolly. Oh, y'a un point de sauvegarde que nous allons pas sauvegarder. On ne verra jamais ce village non bien construit et heureux. Et encore, je viens de penser, mais y'a un village encore plus niqué que celui-ci. Quel bonheur. Pam, 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 pam. Oh, la grande salle. Petite. Non, monsieur Petite. Carrier ses affogues en pique. Comment ils savent le nom? Comment ils savent le nom? C'est des extraterrestres, on sait pas. Moi je suis le maire de ce village, pitié monsieur. Mais. Oh merde, je vais faire tomber mes chaussures. Hop. Oh, merci monsieur des services. J'ai pensé, mais est-ce qu'on affronte une seule fois des vrais exemples dans le jeu? Je sais que dans le. Oui, on en affronte une fois. Ouais, ouais, il y a un endroit où on en affronte. Il y a plein de choses qui se passent dans ma tête. Bah, là au début, mais c'est pas un vrai affrontement, quoi. Bon, le gars se fait sip au calme. Il va mourir et se faire torturer dans un bain d'acide de l'espace. J'ai toujours trouvé ultra stylé la façon dont ils communiquent. Par contre, malheureusement, leur langage est intraduisible. Tu peux pas le traduire, c'est... Enfin, genre, je veux dire... Ça aurait été stylé qu'ils fassent du lettre par lettre, tu vois. Ils inventent une lettre, un symbole pour chaque lettre et qu'ils le disent plus tard, mais non. Ok. Ils ont fait un truc sur l'écran du dessus. Du coup, juste pour ce let's play... Ok, je me suis enculé. Juste pour le sur let's play, faudrait que j'inverse les écrans, tu vois. Bah, je sais pas comment dire. Il faudrait que je fasse un petit écran du haut et un gros écran du bas. Vous l'avez compris, ce que je voulais dire. Parce que du coup, là, ça veut un peu rien dire, mais bon, c'est pas grave. Hop. Non! Non, non! Mais je me fais full agresser, c'est vraiment incroyable. Mort! On arrive à les battre ou pas? Absolument pas. Hein. Et voilà. La bombe nucléaire! La bombe nucléaire! Adieu Mario et Luigi, vous êtes morts, fin de votre vie! Le jeu est fini, followez! Et merci de m'avoir suivi. C'est pas vrai. Ils sont trop diaboliques. Quelque part au-dessus du village et à bord du Tortue Jet, let's go. Par contre, du coup, ce passage ça se passe avant Mario Luigi Superstar Saga puisque c'est dans le passé. Bon, après le royaume champignon, c'est même pas le même. Enfin, si en fait, on n'est jamais allé dans le château. Ah, si on y était allé, mais un peu. Oh, oh non, non, arrêtez, alerte. Allez, arrêtez. Je vais les goumer. Princesse. J'ai envie de prendre les gosses là. Papa. Oh, votre altesse, n'ayez crainte ma chère. Papy Champi est là. Allez-y, il faut vous mettre à l'abri. Arrêtez de chialer. Je suis le prince Bowser. Que tout le personnel se rende sur le pont. Exécution. J'avais pensé, mais putain, bah en vrai, ouais, le début des deux premiers Mario Luigi, t'as le prologue, puis après t'atterris dans le Tortue Jet. Hop, attention, nous allons étudier cette salle. C'était vachement bien. Bah vas-y, je pense, là, on va avancer jusqu'au point de sauvegarde. Hein. Ah oui, c'est vrai que ces Koopas aussi, c'était habillé bizarrement. Ils sont pas, c'est pas des Koopas normaux, quoi. Je crois que c'est que dans les prochains. Ça grinche, c'était... C'est plus à méchanceté, c'est le sale gosse, quoi. Oh, le sale... Pourquoi... C'est vrai, ça. Pourquoi Bowser, c'est le chef? Genre, il n'y a pas de Papy Bowser, tu vois. Putain, ça aurait été trop stylé qu'il y ait un Papy Bowser. Ou un Papy Bowser qui est un Bowser squelette qui se bat avec Bowser... Tu as compris. Quand tu sais qu'est-ce, utilisez la croix pour prendre de la vitesse. Ok. Ah là là, quel plaisir.
Quel petit pédébédé. Pastilles champi. What the fuck. C'est plus des noisettes maintenant, c'est des pastilles. Parce qu'en gros, ils auraient pu mettre les noisettes comme il y aura dans les prochains jeux, mais puisqu'on est 4, bah ça va pas être pratique de couper une noisette en 4 alors qu'en 2 ça va, tu vois. Madame, pédébédébédébédé. Oh bah tiens, je vois un point de sauvegarde. Qui sait ce qui peut nous à l'avenir. En plus, vous êtes des bébés. Vous voulez sauvegarder vos progressions. Mais moi, je vous dirai au revoir, tous les potes de YouTube, pour cette fin de Let's Play de Mario Luigi Barkers in Time. Et je vous verrai la suite dans plus d'une semaine. Normalement, cet épisode sortira ce week-end. C'était vachement cool. J'ai trop hâte de faire la suite, parce que je sais pas si celui-ci c'est mon préféré ou c'est le prochain jeu mon préféré. Oh, je sais pas. Mais bref, c'était vachement cool. Tout le monde au Chrome. Abonnez-vous. Likez, partagez, donnez-moi de l'argent sur YouTube, c'est faux, je n'ai pas d'YouTube, au revoir. Allez, je vous rejoins à 3h, t'auras les binch. Lourd, t'as pris un pack de 24 là. Lourd, un pack de 24 sous marque là, let's go. Bah les gars, je vous rejoins dans un champ à 3h du matin pour taper du pied devant un mur de son. Yes. On ira s'acheter quelques cervelles après. Bref.